le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors vous avez été nombreux à voter que vous vouliez un haul. Du coup, je sais pas si je prononce bien, du coup ce que je vais vous faire c'est que j'ai commandé des vêtements de chez I Saw It First et Boohoo. Et je vais vous montrer ce haul, je vais vous montrer déjà les vêtements que j'ai commandés. Et après je vais vous faire des looks pour vous inspirer. C'est parti. Donc voici un body de chez I Saw It First, je l'adore. Body façon cache-cœur, donc je le porte au niveau des épaules, je trouve que ça fait très sexy. Un peu bardeau. J'ajoute un accessoire, je trouve que les accessoires font tout dans la tenue. Ça rajoute, ça complète la tenue je dirais. Donc je l'ai mis avec un jean aussi, taille haute, Levi's. On va changer un body transparent léopard de chez I Saw It First, je trouve que ça très sexy en même temps. Très beau. Je monte pas trop parce que il y a eu scandale. Un autre body de chez I Saw It First, bleu électrique, bleu très dur. On s'habille tous tout en noir et je trouve que la couleur fait toute la tenue. Ça rajoute vraiment le peps à la tenue. Donc long manteau noir, un short en cuir noir, le sac noir et les chaussures noires. Maintenant, un autre body de chez I Saw It First, je l'adore, ça fait un peu Yves Saint Laurent, mais différent. Je le mets avec des bottes blanches, ainsi que mon manteau rouille. J'adore. Un t-shirt de chez toujours I Saw It First, beige, un peu wide and free, ça fait un peu rock'n'roll. Je trouve que ça change d'habitude des t-shirts, je l'adore. On peut toujours le mettre aussi avec un jean, ça rendra aussi bien. Voici un body rouge très beau, j'adore la matière, de chez Boohoo cette fois-ci. Je le mets avec un jean, mais vous pouvez le mettre avec d'autres choses. J'aime bien aussi le porter au niveau des épaules, ça fait la petite touche sexy pour les rancards. Voici un top, crop top de chez Boohoo, un top T très fluffy, très poilu. Fuchsia, rose fuchsia. Je le porte avec un jean, mais on peut le porter avec d'autres choses taille haute. J'ajoute les accessoires. Je trouve que ça change vraiment toute la tenue. J'adore. Je pensais jamais mettre un top comme ça. Mais c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici un pull de chez I Saw It First. Un pull rose. J'aime bien le rose, avec un col roulé, je l'adore. J'ajoute ma petite veste d'un camel. Vous pouvez toujours le mettre avec d'autres choses qui sont taille haute, dans le bas. On change de tenue. Oups. Voici un pull écru avec des manches évasées. J'adore la matière. C'est toujours de chez I Saw It First. Je l'ai mis avec un short long, des bottes blanches, un petit sac. Je l'adore avec des rayures pastel. Franchement canon. Voici ce short de chez I Saw It First. Je dirais vert pastel. Je l'adore avec du noir. Ça passe super bien. Même l'été, c'est canon avec un crop top. Voici cette robe de chez I Saw It First. C'est une robe beige, les manches évasées, très ample. Là, je l'ai mise un peu courte, mais vous pouvez la mettre plus longue. Et cette ceinture de chez I Saw It First, ceinture bijoux, on adore, même sur un jean, c'est canon, ou une robe de soirée. Une robe de chez I Saw It First, au lait, très espagnol. Bon, je m'attendais à une autre matière, mais elle reste canon, surtout pour l'été. J'adore. Cette robe très très belle me fait penser à ma robe des princes de l'amour au début, satinée comme ça. J'adore ceinturée, évasée et tout en étant sexy au niveau des épaules. J'adore. On change la dernière robe satinée verte, un décolleté très plongeant de chez Boohoo. Franchement, c'est canon. La couleur et la matière sont très classe. Je vais me tourner, vous allez voir le petit pli comme ça, je trouve que ça ajoute vraiment la chose à la tenue. J'adore.
Donc voici pour cette vidéo YouTube, j'espère que ça vous a plu. Pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez surtout pas aussi à voter dans les sondages quand je vous demande si vous préférez une coiffure, maquillage ou je sais pas, n'importe. Comme ça je m'en inspire. Ou sur Instagram, je m'en inspire aussi sur Instagram. Je vais vous demander par exemple, je vais faire un selfie avec un maquillage et si vous aimez, bah, j'en ferai une vidéo. Donc voilà, et rendez-vous pour la prochaine vidéo YouTube.